va, ça va. Formidable. Oui, tu m'entends là? Oui, bien. Bon. Dites donc, à Chamonix, vous pourriez un petit peu mettre de l'herbe, hein, à ce pont de rue des Bonnaires avec sa Vierge. C'est là que nous avons dormi tranquillement. On s'est amusé à passer une après-midi complète sur la Vierge de Quartz, là. Très bien, ça. Oh là, tout ça, c'est bon. Oui. Oh, dis donc, terrible. Revenir ici, hein, plus de 40 ans, bientôt 50 ans, en arrière ici, et avoir cette chance de pouvoir survoler en quelques minutes tout ce qui a été, enfin, un peu ma vie, quoi. Et surtout, les drues, Françoise des Drues, qui en ont pris un bon coup cette nuit. Ça a été très sérieux, ces blocs de rochers qui sont tombés, qui ont pulvérisé le bas de la face, mais d'en haut, ça a aussi bien... vraisemblablement modifier complètement toutes les voies existantes. C'est quand même très inquiétant de voir cette montagne partir en pans entiers, par milliers de mètres cubes. C'est bien ça, des milliers de mètres cubes, milliers de tonnes. Ça s'est déjà produit au moins deux ou trois fois. Peut-être pas avec cette importance, mais c'est certain, c'est impressionnant. Homme d'action et d'anticipation, Guido Magnone fut l'un des meilleurs alpinistes français des années de l'après-guerre. C'est un artiste. À 20 ans, pour assouvir sa passion de la sculpture, il rentre à l'école des Beaux-Arts aux côtés de ceux qui vont devenir des grands de l'art contemporain, Albert Ferrault et César. Magnone, l'athlète, formé sur les rochers de Fontainebleau, réussit en 1952 avec Lucien Bérardini la première ascension de la fameuse face ouest des Drues. Il part alors à la conquête et à la découverte des plus beaux sommets de la Terre, de la Patagonie à l'Himalaya, le Fitzroy, le Makalu, la Tour de Mustang. Autodidacte, dévoreur de vie, toujours animé par cette volonté de faire partager son enthousiasme, il participe ensuite à la création de l'UCPA, l'Union des Centres de Plein Air, qu'il dirige pendant plus de 20 ans. Depuis un demi-siècle, Guido Magnone côtoie tous les grands noms de l'alpinisme. On se connaissait pratiquement tous, hein. C'était le petit village en bas à Chamonix. Ça faisait plaisir, on trouvait facilement un compagnon pour faire de grandes courses. Hein. Partir avec Lachenal Terray, ou Gurekian, ou Dougit, ou Leroux, les Suisses, Vaucher, les autres, Lambert, bon, ceux qui commençaient à se pointer vers l'Himalaya, qui revenaient, qui racontaient leur histoire et qui donnaient des envies. Mais c'était un nombre limité, c'était... pas une secte, mais presque. Hein, Chamonix était à nous, un peu. Hein. Magnone réside une partie de l'année à Saint-Raphaël. À 80 ans, il conserve le corps et l'esprit tendus vers l'action. C'est un bâtisseur de la catégorie de ceux qui creusent bien et fort pour laisser de solides fondations. Toujours guidé par son instinct, l'artiste revient à son premier amour, le travail de la matière comme terrain d'expression, et il poursuit la voie qu'il s'est tracée. La forme se dessine au fur et à mesure que tu en rajoutes et tu en enlèves, tu en ajoutes, tu en enlèves, c'est pas compliqué. Tu arrives à une forme qui est plus ou moins satisfaisante.
C'est des secrets de fabrication, tout ça, monsieur. Faut quand même pas exagérer. Ici, c'est mon atelier. Ah, en réalité, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un peu ce rêve. Il a 2 ans à peine, hein, mais je me suis dit que si je voulais faire quelque chose de sérieux, il me fallait un endroit équipé, assez important, pour, parce que la sculpture, c'est du volume, et je peux y faire un peu... c'est ma retraite, quoi, c'est mon sanctuaire. Faut pas venir m'embêter ici, quoi. Bon, ben ça, ce sont des grès de Fontainebleau que j'ai taillés en allant jusqu'à la partie métamorphosée cristalline, de façon à faire apparaître les formes et en enlevant le grès de surface qui partait en sable. Et j'ai commencé à faire des formes. J'ai suivi un petit peu mon goût, mon instinct. Bon, encore un bougainvillier là qui... Ça, c'est ma femme qui a voulu me faire plaisir, qui l'a mise là. Et ça, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai recommencé à sculpter. Alors, je me suis un peu lancé, j'ai attrapé un vieux morceau de balcon. Il y avait un bout de ferraille qui dépassait, j'ai commencé à l'agrémenter et à lui donner une forme très allégorique, une tête de femme qui rêve. Il rêve à des choses que l'on imagine aisément. Et puis, bon, ben, c'est en cours, je l'ai abandonné, ça fait 2 ans, mais je vais le reprendre un jour, il n'y a pas de doute là-dessus. Mon matériel de montagne m'est très utile aujourd'hui en sculpture. Des jumards, des cordes de montagne, tout ça utilisé pour bricoler, travailler. Je pensais fiche tout ça à la poubelle, puis finalement, ça m'est extrêmement utile. Cordes, mousquetons, pas les pitons tout juste, mais pour un peu, mais le jumard, ça, pour bloquer mes cordes. Alors ici, on a un objet décoratif que l'on peut aménager, si on aime ça, on peut le faire soit en bas-relief, soit en ronde bosse, comme on veut. Moi j'aime ça, j'aime les formes pour les formes. C'est vrai, je deviens une espèce de fanatique de formes, hein. C'est étonnant. Cette histoire du Fitzroy m'a évidemment dit bouleverser ma vie parce que d'une part, je me suis mis à faire de l'alpinisme de façon poussée, définitive. La totalité de ma vie était consacrée à ça. Mais surtout parce qu'elle m'a fait accéder à un monde que je ne connaissais pas, le monde des médias, le monde des relations importantes, des gens, on côtoyait ambassadeurs, on a été chez Perron, on a été reçus. C'était tout nouveau, quoi. Moi, j'ouvrais des yeux comme des... On est un peu, comme on dit, sur un tapis volant. On devient quelque chose de... un personnage. On change de dimension, on accède à une reconnaissance des autres qui est assez particulière. Ça c'est vrai. Alors ça change de vie, quoi. Ça, c'est évident. Fitzroy, c'est un peu moi qui ai été chercher. René Ferlet, qui était le chef d'expédition, il m'a dit, écoute, mon équipe est complète, mais j'avais une vieille traction avant toute pourrie. J'ai mis au monde-piété pour me payer mon billet de bateau pour aller à Buenos Aires. Et je suis parti en Argentine, sans très bien savoir si je resterais en Argentine ou si je revenais, hein, je ne savais pas. C'était sympa, je découvrais le monde, moi, c'était formidable. J'avais vraiment envie de faire cette montagne, vraiment, je la voulais, celle-là. C'était quelque chose que je désirais vraiment à fond. On a eu un accident très grave, plus grave, dramatique, puisque Jacques Poisneau y a trouvé la mort.
il était en marche d'approche avec Terray en exploration, en traversant le torrent, il a perdu l'équilibre emmené par sa charge, impossible d'agir, impossible de venir, et il a été noyé sous les yeux de Lionel Terray. Tout de suite, on en a pris, comme on dit, plein la gueule. Mauvais temps, sans arrêt, mauvais temps, mauvais temps, mauvais temps. Alors, ça a été notre fête, intérêt à moi. On avait mis une tente qui était une des tentes de l'Annapurna. La pauvre, elle a duré à peu près un quart d'heure. Elle s'est fait complètement mettre en pièces par le vent. On a creusé chacun notre trou dans la masse de neige. On a fait une grotte. Par la suite, on a installé des tentes à l'intérieur de grottes qu'on taillait dans les rimets, dans les glaciers, dans les neiges. Semaine. Ah, on a failli le rater. J'avais plus un seul piton. Terray a retrouvé, lui, au fond, une espèce de pitlame toute bête, ce qu'on appelle un as de cœur, que j'ai pu enfoncer de 2 cm dans le rocher. Pour en arriver, mais c'était tout plan, quoi. Alors là, je dois dire que on était émus. Le Fitzroy a été réalisé en février 1952. Il est mieux assis que debout. Le sable de Fontainebleau, l'utilisation dans une espèce d'enduit de plâtre et de chaux, hein, parce que c'est la formule. Je ne sais pas si elle est connue, mais moi, elle me convient parfaitement parce qu'elle me donne des sculptures qui sont assez fermes et assez douces en surface, même si elles ne sont pas... Elles sont mates. On peut presque les caresser. C'est tout à fait différent de ce qu'on a d'habitude. Et puis surtout, ça se travaille très bien. Ça se travaille très bien. Mais on a une durée limitée de travail. La création d'un sculpteur, c'est la forme, c'est l'objet qui provoque une émotion, un sentiment. C'est l'utilisation des vides et des pleins, comme on utilise un son en musique. On est sensible ou on n'est pas sensible à cette modulation. Mais cette manière de faire me permet, à moi, en 2 ans, de faire 30 pièces. Si j'avais dû travailler de façon traditionnelle, comme on travaillait dans le temps, j'en aurais fait 3-4 points à la ligne, c'est tout. J'ai pas de temps à perdre. Quand on grimpe, ou quand on fait de la montagne, on touche la pierre et on a une sensibilité, on a quelque chose qui vient de se toucher de la montagne. Et dans la sculpture, c'est peut-être là le vrai rapport qu'il y a entre la sculpture et la montagne, c'est que c'est matérialisé, c'est concrétisé, c'est quelque chose de que l'on peut saisir, que l'on peut manipuler, que l'on peut toucher, enfin, que l'on sent.
j'étais destiné à faire des expéditions. Et tout de suite, le comité de l'Himalaya m'a sollicité pour préparer la très grande expédition qui devait aller à l'Everest. Il a fallu qu'on attende notre tour. Il y avait le Portillon, il y avait les Suisses et il y avait les Anglais. Le Népal ne délivrait qu'un ticket à la fois. Les Anglais ont eu du pot et pas nous. Et ils ont gagné. En 53, en réalité, l'expédition française au Makalu préparait l'Everest et non le Makalu. Ça a été l'expédition idéale. Il a fait un temps magnifique le jour où on est monté. Il n'y a pas eu de pépins. Tout le monde est monté au sommet. On a fait monter Galzen Serdar symboliquement pour que les Sherpas soient associés. C'est extraordinaire. Monsieur Ferrand, peut-être. Guido. Comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va. Ben, tu es formidable. Je passais par là, je voulais te raconter une histoire terrible. Celle de la face ouest des brumes, mon vieux. La voie Bonatti amputée, mais il n'y a pas que la voie Bonatti. Il y en a des. Non, elle n'a pas été touchée, mais elle est juste. C'est juste, tu vois, les plaques gigantesques. Comme ils disent, un morceau d'histoire est parti dans les éboulis. Et ça ne m'étonne pas que ça se casse la figure. D'ailleurs, les gens s'attendent à ce que ça continue de tomber, d'ailleurs. Bon, tu montres un peu de ce que tu as fait ces derniers temps. Regarde-moi ça, ce mouvement-là. Ça, c'est de l'aluminium, ça. Oui, mais moi, je regarde surtout le mouvement. Moi, je regarde le mouvement. C'est... Ce sont des découpes. Ah, ça, c'est bon, ça. Moi, j'aime beaucoup. Ça, j'aime. Vraiment, hein. Oh, oui. Ça, c'est très, très beau. Tu sais pourquoi tu aimes ça? Parce que ça a un côté plus décoratif, peut-être. Ça me fait, vois, ça me fait un peu jouir. Tu vois, pour dire clairement. Si tu veux jouir, regarde ça, là. C'est oui, un non, mais énorme c'est texte, autre chose. Mais je crois aussi que je suis un peu séduit par la composition. C'est presque une histoire d'école, la rencontre avec Guido. On passait l'admission à l'école des Beaux-Arts ensemble. C'était pendant la guerre. Et lui, c'était un grand champion. Déjà, il jouait au water-polo. Le grand séducteur Guido, à la piscine, avec ses muscles extraordinaires, là, il nous secouait. Hein. Oui, j'étais sportif et je découvrais le monde plastique, quoi. C'était que... Il a même été, je crois, reçu premier, lui, Et c'est un hasard, ou un accident. Tout est accident. Hein. Non. Quand on parlait de Magnon, Bonatti, tout ça, c'était l'Himalaya, le Yeti. Je voudrais dire que je suis toujours en relation épistolaire avec lui. J'adresse en poste résident à Katmandou. Je me demande si Madame Yeti, il n'a pas fait des petits à Madame Yeti. C'est possible. Non, exagère. Non. Ton côté un peu lubrique toujours, qui s'exprime parfaitement dans cet inox. Oh, dis donc, ce truc. Oh, dis donc. Il est toujours doté d'un matériel gigantesque, puissant, des compresseurs, des presses. Ça, c'est un peu étonnant d'imaginer que pour faire une chose subtile comme la sculpture, il se serve de moyens mécaniques aussi puissants, aussi extraordinaires. On est chez Vulcain, quoi. On n'est pas chez Apollon, on est chez Vulcain. Et là-haut, regarde-moi ça. Là-haut. Albert Ferrand, pour tout dire,
C'est un grand de la sculpture française et de la sculpture internationale, indiscutablement. Je ne peux pas simplement cantonner ma vie dans toute cette période en tranchant sculpture, alpinisme. La découverte des pays et des gens a été pour moi peut-être beaucoup plus fondamentale que d'arriver au sommet du Makalu ou de la tour de Moustaï. C'est ça. C'est au retour de notre expédition que nous avons assisté à la grande fête annuelle de Tami, près de Namche Bazar, dans la vallée de Solokumbu, la vallée des Sherpas. Regarde, voilà, ça c'est ma baraque là. Cette vieille ferme que j'ai achetée en 1974, où j'ai tout rénové. C'est une ferme qui a 200 ans, un peu plus. 1780. Ah, ça je te reconnais bien. Hein. Depuis la culture des vieilles choses. Ah ouais ? Non, mais c'est vrai, il faut les préserver. Quoi. Ah, la linette. Linette. Christophe et tout, je suis en tenue d'artiste peintre. Bonjour. Guido, quel plaisir de vous revoir. Un peu inattendu. Oui, c'est inattendu, oui. Il a fallu aller voir que la faceuse des drues était cassée. Et oui, alors on vient voir les amis à cette occasion en disant « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Oui. L'ancienne du CPA, ça ne me dit pas trop, tu vois. Non, mais je comprends. On a envie. Je ne vais pas faire partie d'un groupe de machins et tout, ça ne m'intéresse pas. Oh, moi, je préfère voir les gens comme ça, individuellement. Tu arrives à relire ? Mal, mais ça au pire. Ah, attends, j'enlève ma lunette. Ah. Oui, ça va, je vois. J'ai pu dire des choses pareilles. Jo Maruzzi, ce récit d'une aventure signe d'un alpiniste presque disparu, marqué de quelques candeurs dans sa finalité, mais bien totalement vécu. Alors, Marcel Denis, ici, ça c'est Adrien Nagori, chocolatier, Lucien Bérardini et Guido Maillon. Jo Maruzzi a quand même un parcours particulier et une qualité très spéciale. Il est gitan manouche, il est guide de montagne, il est moniteur de ski. Sur les gens qui étaient à la direction du CPA, c'est-à-dire Guido et Raymond Malesset, je n'ai jamais eu aucun problème. Par contre, avec certains directeurs de centre, si. Parce que dès la première année que j'ai fait le CPA, je me suis fait checker dans un centre, uniquement parce que c'était ma personnalité. Puis je me suis senti bien dedans, puis j'ai retrouvé une espèce de seconde famille à l'UCPA. Ça a été ma famille de la montagne et du ski. Je fais ça finalement, je me pose toujours la question, je me dis mais en fait c'est pour exister mais exister vraiment sur un sujet, peut-être un challenge, quelque chose de nouveau qui me donne un motif de faire. La montagne c'était ça, la natation c'était ça, l'UCPA c'était ça. J'ai une impression bizarre, j'ai l'impression que c'est d'autres personnes, c'est pas moi. Ce sont d'autres qui ont fait tout ça, et parce que je ne veux pas me retourner, en fait, même si j'y suis obligé, je veux aller de l'avant. Ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose de nouveau, et c'est de continuer à faire, à exister. Voilà.